Aujourd'hui, je vais sécuriser mes monnaies virtuelles. On m'a expliqué qu'il ne valait mieux pas les laisser uniquement sur les plateformes en ligne. Je me suis donc procuré ceci, une ledger, qui est une clé physique qui va me permettre de mettre mes bitcoins et mes autres monnaies virtuelles en sécurité. Ce type de clé, qui est ici développé par une société française, permet de ne plus dépendre des plateformes de type Coinbase, où j'ai actuellement l'ensemble de mes monnaies virtuelles. Si jamais la plateforme a un problème, si jamais elle crash, eh bien l'ensemble de mes monnaies peut disparaître. Donc ici, j'ai dû intégrer une série de 24 mots de passe pour sécuriser ma clé. Je dois ensuite la connecter, si j'y arrive, à mon ordinateur, afin d'intégrer une série de paramètres et d'envoyer, bien entendu, mes bitcoins depuis Coinbase sur ma clé physique. Donc voilà, j'ai envoyé mes bitcoins de Coinbase et là, je dois dire que je flippe totalement parce que mon envoi est en attente. J'ai quand même envoyé pour l'équivalent au moment de l'achat de 1000 euros de bitcoins et ils sont donc en transit quelque part. Je ne sais pas si c'est les mineurs qui s'en occupent, je ne sais pas qui s'en occupe du tout, mais c'est censé arriver sur ma clé USB ici, ma clé Ledger pour sécuriser ces fameux bitcoins. Mais je ne suis pas du tout rassuré parce que je ne sais absolument pas comment ça se passe. J'ai dû simplement faire un copier-coller d'une adresse Bitcoin pour me l'envoyer ici. Et donc là, je suis en attente. Je ne sais pas si je peux débrancher cette clé ou pas. J'attends et je vous donnerai des nouvelles un petit peu plus tard. T'as perdu 1000 balles. Mais non, j'ai pas perdu 1000 balles. J'ai pas perdu 1000 balles. C'est ça en cours, ça arrive quoi. Je demande aux personnes compétentes d'avoir quelques explications. Ce que je veux savoir, c'est comment c'est arrivé. Comment est-ce que je sais que c'est arrivé sur ma clé? C'est ça que je veux savoir. Parce que je ne comprends pas. J'ai débranché cette clé, j'ai envoyé sur la clé, mais je l'ai débranchée et c'est censé arriver dessus. C'est clair. Il y a un truc que je ne comprends pas. Mais quand est-ce que je sais que c'est bon? Je le reconnecte pour le voir. Je suis obligé de le reconnecter. Je ne peux pas le voir comme ça, quoi. Mais ça va s'envoyer. Le fait que je l'ai déconnecté, ça, on s'en fout. Non, mais parce qu'il était mis en attente là et tout ça. Alors je me suis dit, j'aurais pas dû débrancher, quoi. Ouais. Voilà, c'est cette fameuse clé qui m'a fait un petit peu paniquer hier. Alors aujourd'hui, j'ai pu regarder si effectivement j'ai bien reçu mes bitcoins sur cette clé et c'est le cas. Donc j'ai paniqué un petit peu à tort sans doute et donc aujourd'hui, je suis rassuré parce que j'ai pu sécuriser mes premiers bitcoins.